problème de cavité officiellement. Allez. Regarde. Ouais. Tu peux y aller. Allez. Je sais que c'est ton kiff. Je sais allez, que le premier kiff. Je compte des mains quand même. Hein. Allez. Oh, beau. Oh, beau. Vérité visée. Je suis pas bien. Adixia, ça tombe sur toi en plus. Oh. Pourquoi tu regardes Paga avec les yeux de l'amour? Oh, attention, c'est vérité. Hein. Ce soir, c'est la soirée des vérités. Là. Oh là. Je viens de dire, c'est moi qui pose la question. Non. Je te regarde normal. Parce que j'ai l'impression que tu me regardes avec les yeux de l'amour. Ah non, bah non, je te regarde normal. Qui a écrit ça? Ouais, c'est moi qui ai écrit ça. Ah, c'est Paga. Mais oui, à un moment donné, fraté, quand tu vas retaper à la porte de ton ex 5 ans après, qu'il se passe quelque chose. Je vais pas retaper à la porte, c'est lui qui nous tape à la porte. Menteuse, pourquoi tu m'as Ah, parce que c'est toi qui es venu te poser. On a tapé à la porte. C'est toi qui m'a envoyé un message. C'est toi qui as appelé? C'est elle. Et c'est toi qui allais ou c'est moi qui ai fait un message, après tu m'as appelé. Si j'avais voulu me remettre avec Adixia, même de son côté, je pense qu'on aurait pu. On l'aurait fait, Tu m'as pas dit ça cette nuit quand je t'ai posé mes questions? Cette nuit, je t'ai demandé quand vous êtes retrouvés, ça s'est passé comment? Et tu m'as dit, c'est comme si on était des inconnus. Vrai ou faux? Ben oui, mais je t'ai pas expliqué non plus tous les détails. Ah, donc, attends, alors ne viens pas me voir pour t'expliquer, ne pas être honnête avec moi. Depuis des... Toi, arrête de raconter, c'est des conneries. Hein, c'est bon ou pas? J'ai le droit de dire ce que je pense quand je te. Ah oui, donc quand en fait, sur la tête, si je te vois comme ça, vous regardez des. Mais je te comprends. Mais non! Comme à l'époque. T'arrêtes avec une mauvaise langue comme ça. T'arrêtes un peu. Mais si tu vois qu'elle te regarde, je te regarde normal. Mais je te regarde normal. Oh non. Josépa, embrasse le coin de la lèvre de Jonathan. Aïe, 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 aïe. Josépa, oui ou non? Coin de la lèvre. Ok, Josépa accepte. Vas-y, oui. Attention, c'est comme ça qu'on le chauffe, le petit popo à jouer. Deux. Non, 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 coin de lèvre. Elle a fait. Oui, là, c'était coin de lèvre. Oui, c'était bien. C'était. Coin de lèvre, tu y arrives, quoi? C'était bon, c'était vrai? Ça va? Pour l'instant, ça va? Si après, si elle fait pire, ok. Pour l'instant, ça va. C'est faux. Je pense que j'aimerais bien te voir faire un smack à John. Oh, ça va, c'est qu'un smack, hein. Mais après, c'est à toi de dire non, hein. Si tu veux. Tu sais quoi, je vais pas dire bouche. Franchement, je vais faire comme elle a fait Josépa. Je vais dire coin de la bouche. Mais pourquoi que tu le concertes? Tu te concertes toi toute seule. Ne le regarde pas, sur coin de bouche. Non, je peux pas. Shot. Bravo, bravo. Je peux pas. C'est parti. Laura, que penses-tu du couple Pagadjou? Je vais être franche, pour moi, je pense pas que ça marchera à l'extérieur. Je leur souhaite. Et pour moi, en fait, je trouve pas que c'est un couple qui est assorti. Parce que pour moi, il y a peut-être des prévisions de vie qui vont être différentes. Mais attention, ça veut pas dire que je leur souhaite pas le bonheur. Ouais, bah dis-le quand même. Non, c'est ce que tu penses. C'est quand même ton ami, Paga aussi. Mais allô, mais. Oui, mais c'est son avis. Elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle pense. Après, voilà, c'est tout. Ça veut pas dire qu'il y a plein de gens qui vont pas ensemble et qui sont amoureux, hein, et que ça va très bien. Ça... Mel, que penses-tu vraiment de Benji? Tu vas pas me boire des shots toute la soirée, frère. À un moment donné, un comeback, faut assumer. Je l'ai éliminé, j'ai voté contre son ex. Je sais que c'est une très belle personne, même s'il est rancunier. Tu le trouves très beau? Et je le trouve... Non, j'ai pas dit très beau, j'ai dit je le tu trouve peux, hein. Tellement beau. Oh, quoi? Mec, voilà, le droit de le trouver beau. Tu le trouves quoi? Tellement beau. Mais pourquoi tu es obligé de le répéter? Parce qu'il insiste pour que je le redis. Parce qu'il a pas entendu. Bon, allez, frater un track sur ça, je vous laisse débriefer. C'était annoncé, pas gage. J'ai vraiment des doigts magiques, y a rien à faire. Paga, smack la fille à ta gauche. Ça. Oh. Oh. Quoi? Ah, je m'en bats. C'est pas grave. Ouais, je pense que tu tires et je pointe. Tu tires et je pointe. Tu joues et je joue. Il pourrait une dent pour dent. Voilà, c'est bon, allez. En gros, ton jeu, il est en lancé gros, maintenant. Tu vas voir ce que je fais. Ouais, par contre, pour embrasser là au coin de la bouche d'un inconnu, elle le fait quand même. Mais c'est pas mon ex. Mais c'est pareil. Mais alors, mais c'est pareil. C'est quand même un garçon. Mais tu embrasses qui tu veux, je m'en bats les. Vérité visée. Adixia, t'as intérêt d'être honnête, ma chérie. Penses-tu que si tu le voulais vraiment, 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 tu pourrais récupérer Paga? Oui, quand je veux. On peut le dire ou pas maintenant? 10 millions d'euros? 10 millions d'euros, je m'en bats. C'est quand même bizarre parce que. Mais je m'en bats les. T'es venu à Paris, tu m'as dit je me vois la patte. Mais c'est toi qui amoureuse de moi. C'est toi qui veux la patte. Arrête. Moi, regarde, je veux regarder. Arrête de mentir maintenant. Mais je regarde dans les yeux. Arrête de mentir. Je suis amoureux de Josépa, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous de ça bon, en fait. Allez, venez. Toi, t'es venu à Paris. C'était avant, aujourd'hui, t'es amoureux. Attention, qu'est-ce qu'elle va nous dire maintenant? Problème visé. Allez. Josépa, smack pendant 5 secondes, John. S'il embrasse son ex, je peux embrasser un inconnu. Ok.
John. 5 secondes. Allez, c'est parti. Un smack. 1, 5 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Problème, problème. Problème visé. Simon, smack Mélanie pendant 4 secondes. Simon, debout, oui ou non? Ah oui. Allez, sérieux, Simon, debout. Non, mais tu es sérieux? Il n'y a rien. Ah ben, je vais jouer alors. Vas-y, vas-y. Vas-y, les yeux de ma mère. Non. La triche m'en bat les couilles. Et regarde bien. Ah ben, regarde bien. Ah, les chippies. Ah ben, regarde bien. Je savais que c'était des chippies, les deux. En fait, Mélanie, elle est pire. C'est une bombe en retardement. Regarde bien. Ma mère, regarde bien. Mon amour, j'ai rien fait. Il n'y a pas de mon amour, je m'en bats les couilles de ton amour. Le cocktail, je peux pas. Il brûle la trachée. Allez, allez, vas-y, la vie de ma mère. Tu as voulu. Eh ben, tu as déclenché le jeu. C'est bien. Tu as été visé. Paga. Même si tu vas dire non. Si Adixia était arrivée en première dans l'aventure, penses-tu que tu serais en couple avec Josépa aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense pas. Pourquoi? Ben, je pense que j'aurais été retenté avec Adixia. Voilà, ah, c'est bien. Donc, voilà, tu vois. Oui, oui. Si tu joues un peu sur les mots. Si j'avais été célibataire. Donc ça veut dire qu'au final, si tu as pensé de retenter quelque chose, c'est qu'au final, tu ne l'as pas vraiment oublié. Bref. Adixia embrasse Paga dans le cou. 5 secondes. Adixia, tu acceptes ou pas? Moi j'accepte parce que je vais pas boire cette merde. Paga dans le cou, 5 secondes. Complètement, j'accepte. Ok. Encore une. C'est John sur la bouche, frère, le connaît pas, frère. Les deux yeux de ma mère, je bois plus le cocktail. Les deux yeux de ma mère, je bois plus le cocktail. Les deux yeux de ma mère, je bois plus le cocktail. Ok, tu embrasses ta mère. La tête de ma mère, je bois plus le cocktail. C'est tout cocktail. Tu es malade, frérot. Tu es une malade, frère. Donc toi, tu embrasses un mec que tu connais pas sur la bouche. Mais t'es pas mon ex. Mais t'es pas mon ex. Alors, je vais à la boulangerie. Je vais à la boulangerie. Arrête de demander. La boulangère, 5 secondes. Ah oui, je la connais pas. Papa, je peux l'embrasser 5 secondes sur la bouche. Attends, la boulangère. Regarde, c'est cadeau. Smack à Simon. Baby, ça va? Ah bon? Quoi? Oula. Il a ouvert la bouche, Simon. Ouais, il a ouvert la bouche. Simon embrasse avec la langue 4 secondes Mélanie. Oh, ça y est, pourquoi toujours le petit lapin et moi? J'ai tellement mal au ventre. Non mais ma parole, j'ai super mal au ventre. Non, j'ai promis à bébé que je ferai pas avec la langue. 1, 2, 3, 4. C'est là pour plaire. Franchement, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal à la gorge. J'ai mal aux oreilles. Une fois, ok, d'accord, mais deux fois, tu te traites moi quand même. Je vois pas qu'elle voulait jouer les deux chippies là-bas. Maïva, embrasse très langoureusement dans le cou bébé ou pendant 5 secondes. Oui. Oh ok. Non. Vérité visée. Greg. Que penses-tu de Josépa? Dis-moi, comment la main vient, on va là-bas, frérot. Il n'y a que toi et moi, frérot, viens. Ah ouais, le problème, c'est que Josépa, je te dis la vérité, ce soir, tu m'as déçu et la tête de ma mère. Maintenant, il faut respecter mon ami. Toi, tu es là, plein d'ambition. Tu veux mettre sa famille à dos contre lui et moi, j'accepte pas, en fait. Je m'en bats les couilles. Allez, parce que moi, la grinta, elle me monte. À un moment donné, faut arrêter. Allez, toi, tu vas m'expliquer les choses. Toi, ce qui se passe entre nous, ça ne te regarde pas. Eh ben oui, ça me regarde. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu impressionnes dégâts. Et toi, tu impressionnes qui, toi? Tu crois que tu es chez Paki, en fait. Redescends. Oh, bande de fatigués, hein. On joue à un jeu, les gars. On joue à un jeu. C'est un jeu. Demain, le jeu, il existe nulle part. D'accord? On parle pas de sentiments, on parle pas d'amour. On parle d'un jeu des problèmes. Mais elle se prend pour qui, elle? Ça y est, qu'est-ce qu'elle a? Elle a pris le dessus sur toi? Et là, cette minote, là? Hein? Mais on est où, frère? Frérot, s'il te plaît, tranquille. Arrête de crier, frérot, s'il te plaît, j'ai pas envie. Bébé, s'il te plaît, frérot, elles ont voulu jouer. Gros, elle m'a pas respecté, c'est pas grave.